Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, notre cours par production orale est Faire le shopping. Maintenant, écoutez s'il vous plaît et écrivez le nouveau lexique. Première révision de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le centre commercial. Qu'est-ce que vous faites au centre commercial? On fait du shopping. Qu'est-ce que c'est? C'est un marché. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans un grand magasin? La nourriture, etc. Révision de vocabulaire suivant. Comment est le prix? 7 500 $. C'est cher. C'est cher. Quelle est sa profession? Regardez à l'image. C'est un vendeur. Vendeur. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte de crédit ou bien une carte bleue. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix. Le prix. Quelle sorte de magasin est-ce? C'est une boutique. Boutique. Comment est-ce que vous trouvez cette robe? C'est classique. C'est classique. Qu'est-ce que c'est? C'est une cabine d'essayage. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand magasin. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans un grand magasin? Des vêtements, etc. Quel est le problème avec ce chemisier? Il y a une tache de café. Révision de vocabulaire suivant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les soldes. Soldes. Maintenant, mes chers étudiants, on fait la connaissance avec une clôture. Qu'est-ce que c'est? C'est où vous allez pour acheter des fruits et des légumes frais. C'est le supermarché ou bien le marché. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui travaille dans un magasin et qui vous aide à acheter quelque chose. C'est le vendeur ou bien la vendeuse. C'est un petit objet en plastique qui vous permet d'acheter quelque chose. C'est la carte de crédit. C'est où vous allez pour essayer un vêtement avant de l'acheter. C'est la cabine d'essayage. C'est où vous allez pour faire du shopping dans un beaucoup de magasins. C'est le centre commercial. C'est le problème que vous coupez votre pantalon par accident avec des ciseaux. C'est le trou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des soldes. Ce sont des réductions sur des choses à vendre dans un magasin. J'ai tout dit, tout, tout dit, dit. Tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit.